Donc, je répète, je suis à la ligne 19. Qu'est-ce qu'a dit la fille aînée? Chou'alet el-bint el-bakr. Est-ce que je suis venue ici pour vous donner à boire? Ana jay lahon la hatta sharbek. Buvez, amen, si vous voulez. Shrabi la halik izabaddik. Qu'est-ce qu'a dit la femme, la bonne femme, ou bien la fée? Qui a fait semblant d'être une femme princesse, Amira. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle lui a dit, vous n'êtes guère honnête. Vous n'êtes guère honnête. Anti lesti mukhlisa abadan. Lesti jayida abadan. Vous n'êtes pas bonne. Vous n'êtes guère honnête. Reprit la fée. Kararat al-jinniya, la bonne femme. Je vous donne pour don. Elle a dit aussi, qalat aydan laha. Je vous donne pour don. Sa'utiki kahadiya. Qu'à chaque parole, ala kulli kalima, que vous direz, taqulinaha, il vous sortira de la bouche. سيخرج من فمك ou un serpent أو حية ou un crapaud أو ضفدع سام. Crapaud, c'est un type de grenouille qui est très empoisonnant. هو نوع من أنواع الضفادع السامة والمتوحشة. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Dès que sa mère l'a perçue, dès que sa mère la vit, donc aperçu, c'est-à-dire voir, c'est le verbe apercevoir au passé simple. Elle lui cria. Cria, c'est le verbe crier au passé simple. Sarahat laha. Eh bien, ma fille! Eh bien, ma fille! Oh, ya iblati, hadihi anti! C'est toi, ma fille? Qu'est-ce qu'elle a dit, la fille? Mada qalat el fatat? Eh bien, ma mère? Eh bien, ma mère? Naam, naam, ya ummi? Lui répondit la méchante. Lui répondit la méchante. Ajabat al-muhtala ou sayya. La méchante fille. Al-fatat sayya. La mauvaise fille, c'est-à-dire méchante, c'est-à-dire ici c'est mauvaise, qui n'est pas bonne, en jetant deux serpents et deux crapauds. Yani, lorsqu'elle a dit ces deux mots, eh bien, ma mère, elle a dit ces deux mots, qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Deux serpents et deux crapauds. Hayten ou dofdain. Maintenant, le dernier paragraphe. Le dernier paragraphe, je suis à la ligne 25. Suivez bien avec moi et écrivez les mots difficiles sur vos cahiers. تابعوا معي مليح واكتبوا الكلمات الصعبين على الدفتر en français et en arabe. Écrivez les mots difficiles en français et en arabe sur vos cahiers. Ainsi, alors, إذن, la mère courut. رقدت الأم courut, c'est le verbe courir au passé simple. Pour battre la pauvre enfant, la fille cadette, qui s'enfuit, qui s'en alla tout de suite, qui s'enfuit et alla, se cacher dans la forêt, où le fils du roi, حيث ابن الملك la rencontra, التقى بها, et lui demanda, وطلب منها, ce qu'elle faisait là, ماذا كانت تفعل هناك وحدها, là, toute seule, ce qu'elle faisait. Donc c'est le verbe faire à l'imparfait. عم نلاحظ أن temps verbaux utilisés dans le récit ici sont l'imparfait et le passé simple. Mais dans les passages de dialogue, بس بالمقاطع اللي فيهم حوار, عم يكون عندنا أزمنة غير الباس سامبل والإمبارفي اللي هن البريزون أو الإمبراتيف المضارع أو الأمر.
فإذا أزمنة الماضي عم نستعملها بالقصة، أما أزمنة الحاضر عم نستعملها بالحوار أو بالخطاب. On utilise les temps du passé dans le récit et les temps du présent, le système du présent dans le dialogue ou bien le passage de discours ou bien le passage discursif. المقاطع الحوارية عم نستعمل الزمن المضارع ومقاطع القصصية عم نستعمل الزمن الماضي. Donc, qu'elle faisait, c'est le verbe faire à l'imparfait. Donc ici le verbe demanda, ce n'est pas demanda en arabe talaba, en sa'ala, c'est-à-dire posa une question. Et lui posa une question, ce qu'elle faisait, à ce qu'elle faisait, toute, là, toute seule. Hunaka wahdaha. Elle lui raconta, donc elle lui dit, qalat lahu, rawat lahu, toute son aventure, kul mughamaratuha, tous les événements. Tout le récit, aventure, c'est-à-dire c'est un récit qui est un peu violent, d'accord. هي المغامرة هي قصة بتكون مشوقة بيكون فيها شوية حركة شوية عنف. C'est un récit où il y a beaucoup d'action. قصة بيكون فيها كتير action, بيكون فيها كتير action, بيكون فيها كتير أحداث. Le fils du roi, طبعا ابن الملك لما شافه وحكت له, en devint amoureux. أصبح عاشقا لها. Donc devint, أصبح, c'est le verbe devenir au passé simple. Amoureux, يعني عاشق أو محب دغري أحبة. Et l'emmena, il l'apporta. Donc c'est le verbe emmener au passé simple. L'apporta au palais du roi. Au château du roi. أخذها إلى بلاط الملك. Le palais du roi, c'est la partie qui est devant le château du roi. Il a balat el malik, le roi al malik. Son père, il est Abu, où il l'épousa, haythu tazawajaha. Donc, taban, ana, haydi l'issa, hi akbar min hek bektir, ou tawili akter min hek, ana l'khast l'konyaha bi haydi l'nas, haydi l'idrit l'khast l'konyaha. Donc, j'ai résumé ce texte qui était beaucoup plus grand pour ne pas prendre beaucoup de temps et allonger beaucoup le texte. Je continue à lire le lexique. On a deux mots dans le lexique et encore dans la référence. La référence Charles Perrault ou bien Charles Perrault, c'est le nom de l'auteur, Charles Perrault. Les contes de ma mère, Loy, c'est le nom de l'ouvrage. Donc le nom de l'auteur, c'est Charles Perrault. Le nom de l'ouvrage ou bien le titre de l'ouvrage, c'est Les contes de ma mère, Loy. Il n'y a pas date de parution et il n'y a pas d'édition. Ma fi anna date, tarikh, ou ma fi anna maison d'édition, ma anna matba'a. Pour le lexique, بالنسبه للمو ديفيسيل, un, on a rincé, nettoyer en lavant et en frottant. Rincé, يعني ينظف, هو عم يغسل وينشف, يعني rincé, comment on rince les mains, مثل ما نغسل ومصوبين ايدينا, هيك يعني rincé. Donc nettoyer en lavant et en frottant, à même sans flacon ni verre. Donc ce sont les deux mots du lexique. Je passe maintenant aux questions. راح نبلش بالكيستيون. Je vais faire une nouvelle vidéo pour les questions. راح اعمل لكم فيديو جديد pour les questions للأسئلة.